Bonjour. Dans le cadre des trucs et astuces de l'orthographe, aujourd'hui nous allons voir de quelle façon orthographier correctement le phonème C, à savoir soit C apostrophe EST, soit S apostrophe EST. Mais dans un premier temps, une très rapide partie théorique, pardon. Donc C apostrophe EST est la contraction du pronom démonstratif CE qui se contracte en C apostrophe et qui est ajouté au verbe être qui est conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Par ailleurs, C'est apostrophe ST est aussi la contraction avec le verbe être conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier, mais cette fois avec le pronom personnel réfléchi SE qui ici se contracte en S apostrophe. Donc il faut savoir envers les trucs et astuces pour orthographier correctement C. Le réflexe doit être très simple. Dès l'instant que vous pouvez remplacer dans la phrase C'est par cela est, alors vous avez affaire à la contraction qui inclut le pronom démonstratif, donc C apostrophe EST. En revanche, à condition de changer le sujet de la phrase par un sujet à la première personne, si vous pouvez remplacer dans cette phrase c'est par me suis, c'est-à-dire il c'est par je me suis par exemple, à ce moment-là, vous avez affaire au pronom personnel réfléchi. Donc ça s'écrira S apostrophe EST. Maintenant, je vous propose de mettre ce truc et astuce en application à l'occasion des 10 exemples suivants. Donc exemple 1, il s'est finalement décidé à venir. Donc on va remplacer par cela est. Il, cela est finalement décidé à venir, ça n'a aucun sens. Donc on essaie la deuxième solution. On prend un verbe à la première personne, donc on va remplacer il par je, et on va mettre me suis. Je me suis finalement décidé à venir, c'est tout à fait correct. Donc on a bien affaire ici au pronom personnel réfléchi, donc ça va s'écrire S apostrophe EST. Il s'est finalement décidé à venir. Exemple 2. Le cadeau qu'il s'est offert est superbe. Le cadeau qu'il, cela est offert est superbe, ça n'a pas de sens. Le cadeau, maintenant on remplace il par un verbe à la première personne, donc je. Le cadeau que je me suis offert est superbe. C'est tout à fait correct. Donc une fois de plus, on a offert à la contraction du pronom personnel réfléchi avec le verbe être. Exemple 3. C'est un excellent résultat. Donc on va remplacer par cela pour voir. Cela est un excellent résultat. Oui. La phrase prend tout son sens, donc c'est bien le pronom démonstratif. En fait, la contraction du pronom démonstratif avec le verbe être. Exemple 4. Le problème, c'est justement le financement. Le problème, cela est justement le financement. C'est correct, encore une fois. Donc, contraction du verbe être avec le pronom démonstratif. Exemple 5. Cet ingénieur s'est beaucoup amélioré en un an. Donc on va remplacer par cela et pour voir, cet ingénieur, cela est beaucoup amélioré en un an, ça n'a aucun sens. Donc on remplace le sujet qui ici est à la troisième personne par un sujet à la première personne, donc je, et on essaye de mettre me suis. Je me suis beaucoup amélioré en un an, oui, c'est tout à fait correct. Donc on a affaire à la contraction du pronom personnel réfléchi SE, donc en S apostrophe, et du verbe être EST. Exemple 6. C'est à cette date que tout a commencé. Cela est à cette date que tout a commencé. Oui, c'est correct. Donc, contraction du pronom démonstratif avec le verbe être. Exemple 7. Je suis d'accord, c'est pourquoi nous signons. Je suis d'accord, cela est pourquoi nous signons. Oui, donc encore une fois, contraction du pronom démonstratif avec le verbe être. C apostrophe EST. Exemple 8. Ce produit s'est très bien vendu l'année dernière. Ce produit, cela est très bien vendu l'année dernière, ça n'a aucun sens. Donc on va remplacer ce produit par un sujet à la première personne, donc je, et on va mettre me suis. Je me suis très bien vendu l'année dernière, c'est correct. Donc on a affaire à la contraction du pronom personnel réfléchi avec le verbe être, donc S apostrophe EST. Exemple 9, il s'est vite intégré dans l'entreprise. Il, cela est vite intégré, ça n'a pas de sens. On remplace il par je et on met me suis. Je me suis vite intégré dans l'entreprise. Oui, c'est correct. Donc, pronom personnel réfléchi. Donc, S apostrophe EST. Exemple 10. Cet accord est obsolète, c'est-à-dire dépassé. Cet accord est obsolète, cela est à dire. Oui, c'est correct. Donc, C apostrophe EST, c'est la contraction du pronom démonstratif avec le verbe être. Donc, on a terminé pour ces 10 exemples d'application. Et on termine par la même occasion ces trucs et astuces d'orthographe qui traitaient en particulier du phonème C apostrophe EST ou S apostrophe EST.
Donc je vous dis à bientôt pour d'autres trucs astuces d'orthographe ou d'autres cours sur NetProf. Au revoir.